tous et bienvenue sur Loisirs Pêche TV. Voilà, je vous emmène avec moi pour une petite session qui fera même pas 24 heures. Juste, je suis arrivé ce soir après le boulot, j'ai posé mes cannes et je vais partir demain en milieu d'après-midi. Donc, je vous emmène avec moi pour faire le en session avec Loisirs Pêche 60 volume 3 en total terre inconnue. Et le plan d'eau, c'est un petit plan d'eau que j'ai à côté de chez moi qui doit faire 3 hectares et demi que je ne connais pas du tout. Donc j'ai pris mes cannes, je suis venu, je suis arrivé, j'ai monté mon petit broli vite fait, j'ai gratté un petit peu, etc. pour trouver des spots. J'ai posé mes cannes là où je pense pouvoir faire du poisson. C'est un petit plan d'eau que je suis venu voir toute la semaine et j'ai pu apercevoir sur 2 jours où on a eu pas mal de soleil, sur les coups de 14-15 heures, j'ai pu apercevoir de la carpe en surface. Très étonnant pour la saison parce qu'on n'est pas en été, donc bon. Dans la queue de l'étang là où je me situe, sur l'autre partie de l'étang j'ai pas vu de poisson. Là j'ai une petite profondeur, j'ai trouvé une petite profondeur qui varie de 1m50 à 1m80 et sur les bordures ça remonte sur 1m, et quand je les ai vus sur les endroits où je les ai vus, il y a 1m, 1m 20 d'eau, donc je pense qu'elle se faisait dorer la pilule après la petite sortie de l'hiver qui arrive très vite. Donc tout au long de cette petite vidéo, je vous expliquerai mon approche, les montages utilisés. Et puis il est temps pour moi, parce que le soleil tombe, la nuit commence à prendre place gentiment. Je vais aller me faire un petit casse-croûte, me mettre au chaud, et puis j'espère vous présenter du poisson un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure, ciao. De droite qui était dans l'angle devant la roselière. J'ai touché 2 poissons un ce matin, cette nuit. Le premier poisson sur la canne en plein milieu de l'étang, la deuxième sur la droite au rapide load. Particularité, c'est que j'ai fait 2 petits poissons, mais vraiment petits poissons, des poissons qui doivent faire 2-3 kg au max. Donc sur le rapide load que j'avais mis sur la canne de droite, là j'ai totalement inversé, j'y suis allé à la bille et de la bille de vin pour essayer de faire entrer des poissons d'une taille un peu plus conséquente, en espérant que ça porte ses fruits. Pour l'instant, sur 3 stratégies différentes, 2 ont payé. La canne dans la roselière en face, qui pour moi était un des meilleurs spots, comme quoi il n'y a pas de science à la pêche, n'a pas déroulé pour l'instant. Donc on va être patient, on va aller se faire un petit café,
et puis on va vous présenter les montages un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Donc je vais vous présenter les petits montages qui m'ont permis de faire deux touches et deux poissons cette nuit. Pour commencer, moi je ne pêche uniquement qu'avec du fluo, mais tout au long de l'année je vous présenterai un petit peu la tresse qu'on a sur notre site. Donc là pour vous expliquer, c'est du fluo en 45 centièmes. Bon, je prends des bobines de 100 mètres parce que ce fluo là, je m'en sers pour les montages, mais en fonction de certaines pêches, des fois je m'en sers aussi en tête de ligne parce qu'il est vraiment vraiment très très bien. Après, chacun sa façon de procéder. Pour ce faire, du coup, sur le montage, j'utilise un LP011, donc avec un œillet à l'extérieur, une hampe droite qui vient se courber et la pointe de l'hameçon qui revient vraiment très nerveusement. C'est un hameçon qui pique super bien. Je n'ai jamais eu de problème ou très très peu de décroche pendant les tests avant qu'il soit mis en vente. Très fort de fer. Ça m'est arrivé d'en tordre une fois. On va dire que c'était plus de ma faute qu'autre chose. J'ai décroché un poisson sur du caillou et j'ai tiré en zodiac au-dessus. Et du coup, j'ai réussi à sortir le montage en tordant l'hameçon. Mais j'étais monté énormément gros parce que je pêchais dans des gros rochers. Une session que j'avais fait avec le patron, notamment Grégory Caget. Donc, il sait de quoi je parle. Benoît aussi. J'ai du coup hérité il y a quelques mois de ça de la gaine plombée que j'ai utilisée notamment sur mes deux zones propres, la zone où je pêche dans de la vase comme je vous expliquais en début de session. C'est juste mon corps de ligne, mon clip plomb, donc c'est tout simple, hein. C'est un clip plomb standard que vous pouvez retrouver dans la gamme, dans les montages carp. Un clip plomb standard. De là, je viens mettre un émerillon classique et au bout de mon montage, j'ai un petit émerillon à anneau qui me permet de pouvoir changer régulièrement ou très rapidement de montage en cas de casse ou autre modification à apporter au bord de l'eau. Donc moi, la particularité, c'est que je ne pêche aussi que en dérig, donc un dérig classique avec un petit anneau ovale ou des fois des anneaux ronds, ça dépend. Et j'accroche mon appât avec des élastiques à appât. Alors certains utilisent du fil dentaire, certains vous diront que les élastiques à appât, ça peut se faire couper par les écrevisses ou autres. Personnellement, j'ai encore jamais eu de soucis avec les élastiques à appât. Je dis pas qu'il y a zéro risque, hein, mais pour l'instant, j'ai eu zéro souci. Donc voilà le montage avec lequel j'ai opéré. Ça m'a permis de faire deux poissons. Et la seule particularité que j'ai sur une canne et non pas les trois, c'est la longueur, la longévité, la longueur de ce bas de ligne en fait. C'est pour la canne que j'ai tenté sur un coup de poker en pleine vase. Du coup, je pêche avec des plombs de 70 grammes que vous pouvez retrouver dans la gamme plomb, donc hein, en 70 grammes. Je les ai pris en verre. C'est ce qui passe le mieux au niveau dans le fond, au niveau de l'eau. Après, quand l'eau elle est claire, on a des plombs type caillou, type sable, etc. qui pourront bien s'arranger. Du coup,
pourquoi j'ai opté pour un badine long. C'est uniquement parce que à l'impact du plomb dans l'eau, quand il va tomber, la vase étant épaisse, le plomb va s'enfoncer dans la vase légèrement. Et du coup, sur ce montage-là, j'ai éché une bille que vous pouvez retrouver pareil dans la catégorie APA, la CKT de chez LBF Bet. Et du coup, ce qui va permettre au plomb de s'enfoncer, ma petite bouillette avec un grain de maïs flottant va venir s'équilibrer gentiment et va venir se poser gentiment sur la vase et non pas s'enfoncer avec la cadence du plomb. Voilà pourquoi j'ai opté pour un badine long, et c'est ce qui m'a réussi parce que la première touche cette nuit je la fais sur ce montage là dans la vase, et le deuxième poisson ce matin je le fais très tôt ce matin, je le fais sur ma zone de prop sur mon angle à droite. Voilà pour ce qui est de la présentation du montage. Ça reste du classique. Après on rentrera plus dans les détails sur d'autres pêches, sur d'autres sessions, sur d'autres étangs. Des techniques, on en aura toujours. Maintenant, rien ne sert de se tracasser la tête. Le principal, c'est d'arriver à faire de la touche, à être discret, à faire du poisson. Maintenant, il y a des étangs où il faut une certaine mécanique au montage, etc. Ici, je pense pas qu'on en soit là. J'ai plutôt opté sur la discrétion et ça m'a plutôt bien réussi. Et notamment, comme je vous parlais, avec cette petite gaine plombée là qui se plaque bien au fond, je l'ai testé, etc. Le montage qui trempe actuellement, il n'a pas bougé. La gaine n'a pas été, pourtant la petite miroir m'a mis un petit peu de fil à retordre. Elle n'a pas bougé, donc de la gaine encore en test. Je reviendrai dessus plusieurs fois s'il le faut. Une fois que je connaîtrai bien et que j'aurai bien mis tout ce qu'il faut lui mettre pour que le produit soit en vente sur le site. Et du coup, on pourra rediscuter de tout ça au moment voulu. Petite particularité, c'est que le site loisirpêche60.fr a été modifié, a été bougé parce qu'on a eu beaucoup de retours clients étant donné qu'on a eu des petits désagréments sur le site, sur des commandes, sur des paniers, etc. Des petites imperfections qui peuvent arriver sur une fois de temps en temps. Du coup, Grégory Cagé a très très bien réagi, le patron de la team, et a modifié. On est passé sur www.loisirpêche60.com. Alors le site a été amélioré. Maintenant, vous n'avez pas encore 100% de tous les produits parce que c'est long de tout répertorier. Les quantités, les grammages, les prix, les couleurs, ça prend du temps tout ça. Donc on travaille actuellement, surtout le patron travaille actuellement tous les jours, il travaille dessus, il vous remet les comptes clients, vos points vont être recumulés si vous vous connectez dessus, vous n'avez pas encore vos points, ne vous énervez pas, ne stressez pas, ça va arriver très vite, tout va revenir. Le patron a tous les fichiers clients, donc il pourra toujours retrouver et il y aura toujours moyen de revenir sur ce que vous aviez sur l'ancien site. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Si vous avez la moindre question, tous les membres team sont aptes et capables de pouvoir vous répondre. Grégory Caget, moi-même, on pourra également vous répondre si vous avez le moindre petit souci. C'est déjà arrivé, on a beaucoup de clients qui viennent en privé nous demander. Il n'y a pas de problème, on renseigne tout le monde. Et puis je vous souhaite une bonne visite sur le site, et puis j'espère qu'on se revoit après pour vous présenter un petit poisson, ou alors pour faire un petit débriefing de cette session en pêche rapide sur moins de 24 heures. Et puis le temps pour moi d'aller retendre la canne qui n'a pas déroulé sur un spot propre et d'essayer de trouver un autre spot pour lesquels nous avons. Session, la petite nuit plus quelques heures touche à sa fin. J'ai enregistré deux touches, une cette nuit, une ce matin. Là le soleil se lève, c'est un petit peu dommage, j'aurais peut-être dû prolonger sur le week-end, mais obligation personnelle, je ne pourrais pas. Un étang à refaire,
je pense, malgré les deux petits poissons que j'ai faits, un étang à exploiter, essayer de faire entrer les grosses, essayer de voir un petit peu ce qu'il y a un petit peu plus en profondeur, un petit peu de creuser. Donc je pense que cet épisode-là servira de partie numéro 1 et que je m'aventurerai à faire des parties supplémentaires pour essayer de toucher du poisson un petit peu plus conséquent. L'eau est encore froide, c'est à prendre en considération. Donc est-ce que les petites bougent un petit peu plus que les grosses? À savoir sur une deuxième sortie supplémentaire que je me permettrai volontiers de refaire avec vous et pour vous notamment. Donc sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à la prochaine et merci encore une fois de nous suivre sur la chaîne Loisirs Pêche TV et n'hésitez pas à vous abonner et à poser toutes les questions qui vous semblent utiles si jamais vous avez d'éventuelles questions. Et puis toute l'équipe Loisirs Pêche 60 vous remercie et vous dit à bientôt. Ciao.